se retrouve de vive voix. On est du coup le vendredi 23 décembre, il est midi 45. Encore une fois aujourd'hui, j'ai décidé de faire une grasse matinée. J'en ai profité parce qu'hier soir, je me suis couchée tard avec le montage du dernier Vlogmas. Et j'ai envie de vous dire, quand on est en famille, on profite et tout. Donc ça fait pas de mal de se lever un petit peu tard, surtout quand on est en vacances. J'ai décidé que ce Vlogmas serait sur deux jours combinés. C'est-à-dire que dans cette vidéo, vous aurez à la fois du coup ma journée d'aujourd'hui qui est le 23 et à la fois mon réveillon de Noël, l'ouverture des cadeaux, le 24. Donc vous allez absolument tout voir au programme de cet après-midi. Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut absolument qu'on aille récupérer les derniers cadeaux. Je vais enfin pouvoir vous montrer certaines choses que j'ai achetées parce que du coup, la vidéo sortira après Noël. Donc je pourrai tout vous montrer. Et il faut aussi qu'on emballe les cadeaux. Et bien évidemment, la partie la plus importante du réveillon pour moi, c'est de se faire kiffer au niveau de la nourriture. Et du coup, avec ma maman, avec mon copain, on va partir faire des courses. On va partir à Picard et on va acheter plein de bonnes choses pour le repas de Noël parce que du coup le réveillon a lieu chez moi, ici dans ma famille, donc je suis trop contente. On va recevoir tout le monde, on a déjà des petites idées de ce qu'on va faire au niveau du repas de Noël, je vous montrerai tout ça. Et à chaque fois, vous voyez, ma mère, elle a tellement mis de la décoration de partout qu'à chaque fois je me prends la fameuse étoile qui est ici. Encore une fois, j'ai fait me la prendre. Bref, ce n'est pas la question. Là, on va manger et ensuite on va partir faire tout notre programme de l'après-midi. Et suite à ma vidéo d'hier, vous avez été nombreux à me demander, même sur Instagram, de vous montrer un petit peu où c'est que j'avais vécu, comment était ma maison d'enfance, etc. Donc il y a eu pas mal de travaux ces dernières années. Mais je vais vous montrer une petite partie de chez moi, si ça vous intéresse. En plus, c'est tout décoré à Noël, donc c'est trop bien, je vais vous montrer ça. Ici, on a la cuisine. Alors là, le temps dehors n'est vraiment pas fameux, mais sinon, on a vu sur le Mont Blanc. Ici, il y a le grand sapin, il y a un très très grand canapé, du coup. Ici, il y a la cheminée, ici, il y a la télé. Et normalement, ici, vous avez vu sur le Mont Blanc quand ce n'est pas tout brouillard comme ça. Voilà, j'espère pouvoir vous montrer une vue plus dégagée demain. Silent night. Là, si vous voulez des vrais dossiers, c'est plein de photos de moi quand j'étais petite. Voilà, j'aimais déjà extrêmement manger. Là, j'étais avec ma copine. La petite anecdote, j'étais partie à Colmar. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec mon petit bonnet du Père Noël. Et j'avais rencontré du coup le Père Noël et le Père Fouettard. Et celui-ci, il a hanté mes nuits. Vraiment, j'avais peur de lui. Je lis toujours très contente d'être sur un manège. Ici, vous retrouvez mon papa. Trop beau, trop beau. Et là, c'était, je pense, à Noël. J'étais très contente de déballer mes petites baskets Barbie. Oh là là, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. On vient d'arriver à Chamonix. Et c'est notre première étape de la journée, on va acheter un cadeau pour ma maman. C'est Joe qui va faire son cadeau, vous savez à Chamonix il y a un QC Thermes. En gros vous pouvez y aller quand il y a de la neige et tout, c'est super agréable, vous pouvez vous faire masser sur place. Il y a plein de salles avec par exemple une salle pour du sel, avec des jacuzzi, plein de bains, c'est vraiment immense. Et c'est super agréable et ma mère adore aller là-bas. Du coup il va lui prendre une entrée et je sais que là-bas elle a aussi un diffuseur pour la maison qui sent super bon. Donc on va voir ce qu'on prend, mais du coup c'est la première étape de la journée et on espère qu'il n'y a pas trop de monde. À Chamonix c'est super touristique et c'est toujours bondé de monde pendant les fêtes. Là il pleut, il ne neige pas, ça fait chier, il fait 5,5 alors que d'habitude à cette période il fait moins 5, moins 10, il fait super froid. Et là pas du tout. Tourner en rond pendant je ne sais combien de temps pour arriver au QC Thermes. Toutes les routes étaient bloquées, je vous explique pas la galère. Et malheureusement je ne vais pas pouvoir y aller avec Joe parce que c'est loin, il pleut avec ce qu'il puisse. Donc je vais lui laisser ma caméra. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, la caméra de Jordan. Il est au bout de sa vie, il est trempé. Il a dit, les chaussures c'est comme s'il avait mis les pieds dans un lavabo. Mission cadeau de Noël numéro 1, fini. Maintenant que la première mission était de récupérer le cadeau pour ma mère de la part de Joe, on doit aller récupérer un deuxième colis dans un point relais que j'ai fait livrer, cette fois-ci c'est de ma part. Je lui ai commandé un très très beau manteau blanc qu'elle voulait, qu'elle avait mis. Que chaque année je dis dis-moi des choses que t'aimerais qui te feraient plaisir pour être sûr de pas me tromper.
Elle m'avait envoyé un manteau blanc trop beau de la marque Naked d'ailleurs. Et du coup, je l'ai fait livrer en point relais. Et là, je vais aller le récupérer et ensuite direction Picard. Deuxième colis est récupéré, maintenant direction Picard. Et en plus de ça, je me suis arrêtée pour faire un loto. J'ai vu qu'il y avait le loto de Noël. J'ai toujours espoir de gagner. Je ne joue quasiment jamais, je joue pour les grandes occasions. On verra bien. Écoutez, je sais que je vais perdre, mais j'ai joué quand même. Dire en même temps, on ne peut pas espérer gagner si on ne joue pas. Voici un petit unboxing de ce qu'on a pris à Picard aujourd'hui. Alors il y a 16 mini feuilletés d'escargot, 20 mini feuilletés saucisses, il y a aussi des croissants apéritifs, il y a aussi des bouchées de fromage. Là c'est quoi déjà? Assortiment, je sais même plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais je crois que c'est à base de fruits de mer. On a pris pour le dessert une bûche glacée, citron, meringue. On a encore repris ce fameux gâteau qui était juste incroyable, que j'avais goûté dans une de mes vidéos Vlogmas. Et aussi des langoustines crues. Ma mère avait déjà été chez Picard il y a quelques jours pour prendre ses trucs préférés. Elle a pris les 8 bouchées apéritives de saumon. Elle a pris une petite boîte de caviar. Ça coûte combien l'unité, tu sais, à peu près? Ouais, 29,90. 29,90, et apparemment il est très très bon. Mais chaque année elle en prend une boîte. Il me semble que c'est tout pour tout le cas. Ensuite, pour le repas, elle a pris des énormes homards comme ça, que t'as aussi pris, il me semble, à Picard, c'est ça? Ouais. Et ensuite, il y a des gambas, et là, il y a des crevettes. Et voilà pour tout ce qui est parti surgelé. Hello, on est le samedi 24 décembre et qui dit 24 décembre dit réveillon et dit aussi dernier jour du Vlogmas. Alors aujourd'hui je sors la caméra assez tardivement, on est un petit peu dans les derniers préparatifs du réveillon. Ce soir je reçois toute ma famille chez moi, donc je suis très contente, je me suis déjà maquillée, je vais vous montrer ça de plus près. Du coup au niveau du maquillage, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis le fard à paupières vert de chez Tilbury que j'ai reçu il y a quelques jours, que j'ai fondu avec du marron. J'aime beaucoup trop le résultat. Et j'ai fait quelque chose de très léger au niveau des cheveux, je vais vous montrer. Du coup, au niveau des cheveux, j'ai fait un effet brushing, petite boucle, très léger. De toute façon, j'avais oublié mon boucleur chez moi, donc autant vous dire que j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai sorti ma petite robe H&M que j'avais achetée en Laponie. Et voilà, le tour sera joué. Et j'ai mis des petits collants. Et qu'est-ce que je vais mettre au niveau des pieds? Je vais mettre des chaussons. Parce que pour moi, Noël, c'est aussi être à l'aise. Donc je suis très à l'aise dans ma robe. Mais clairement, les talons, on oublie. Les bottes, on oublie. On met des chaussettes et des chaussons. Avant que toute ma famille arrive chez moi, et en plus je dois partir faire les derniers préparatifs des repas, il y a des choses à aller chercher à droite à gauche en ville, je voudrais quand même vous adresser à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez remplis d'amour et de bonheur. J'ai aussi une pensée pour toutes les personnes pour qui l'ambiance des fêtes n'est pas toujours au beau fixe, pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher et qui manquera ce soir à la table. Je fais moi-même partie de cette team là. Mon papa ne sera encore une fois pas avec nous cette année pour les fêtes de fin d'année. Et j'ai toujours une pensée encore plus particulière pendant les fêtes. C'est toujours des moments qui sont compliqués mais qu'il faut célébrer en famille. Il y a aussi des personnes qui fêtent Noël seules, qui sont pas entourées. Donc j'ai une grosse pensée pour vous pendant cette soirée, pendant la période de fête. Le plus important c'est de faire des choses que vous aimez, célébrer un moment avec les personnes que vous aimez. Si pas en famille, c'est avec vos amis, si vous êtes seule, et bien profitez seule, faites des choses qui vous font kiffer. En attendant, moi maintenant je vais partir prendre la route pour aller récupérer les dernières choses qui nous manquent pour ce soir. Et entre autres, il nous manque le plateau d'huîtres qu'on doit aller récupérer chez le poissonnier. Tout était ouvert, tout était décortiqué. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, avant c'était mon papa qui ouvrait les huîtres, il était trop fort pour ça. Il aimait pas ça du tout, mais il savait absolument trop bien les ouvrir. Donc écoutez, on va aller récupérer les huîtres et ensuite toute ma famille va arriver.
On va faire le repas de Noël, on va mettre toutes les petites entrées qu'on a achetées, qu'on a fait. Et ensuite, il y aura la bûche, il y aura le repas. J'ai sauté des étapes là. Et ce soir, c'est l'ouverture des cadeaux. So they're decorating the Christmas tree with a star up top. Hey, je sais pas que tu effaces tout ce qui va pas bien. Ah, t'inquiète, je suis furieuse tout ce qui va pas bien. Mais là, ça va très bien. Tu rends très bien la caméra. Ouais. Tu dis un petit coucou. A few moments later. Eh bien, on est sur une fin de vlog, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de tête, je suis éclatée de fatigue. On a super bien mangé, on a ouvert tous les cadeaux du coup à minuit. C'était trop trop cool de partager tout ça en famille. Et c'est aussi la fin des Vlogmas, qui dit 24 décembre, dit la fin des Vlogmas. J'ai passé un mois avec vous tout le mois de décembre et franchement je suis trop contente d'avoir réussi à relever ce défi. Alors oui, pas sans faille, il y a des fois où j'ai pas pu sortir de vidéo parce que j'étais complètement claquée, mais je suis quand même contente parce que j'ai pu vous sortir je crois 20 vidéos sur tout le mois de décembre, donc c'est juste énorme pour moi qui viens de commencer YouTube. Donc déjà je voulais vous remercier d'avoir été aussi présent pour les Vlogmas, d'avoir commenté, d'avoir liké, de m'avoir fait vos retours parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça aussi que j'apprends sur YouTube. Donc un grand merci à vous, je suis trop curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ces vlogmas. J'espère vraiment qu'à travers ces vlogmas vous avez réussi à me découvrir d'une façon un petit peu plus intime et de voir un petit peu plus mon quotidien, ce que j'aime, la vraie moi, la vraie Julie. Pour en revenir à Noël, encore une fois j'ai été trop gâtée, j'étais trop contente de gâter mes proches, je suis trop contente à chaque année, je suis trop heureuse d'aller donner mes petits cadeaux et tout. Je vous ai filmé quelques petits moments mais j'ai aussi bien profité. Je suis trop contente de mes cadeaux, j'ai eu la fameuse écharpe Jacquemus, vous savez, où c'est écrit Jacquemus, je l'ai eu en bleu marine, trop trop belle. J'ai eu une paire de baskets Golden Goose qui sont dingues, j'ai offert des looks de ouf, j'ai eu des vêtements, j'ai eu des manteaux et tout, enfin j'ai eu un manteau en l'occurrence que j'aime trop, un manteau blanc et qui était sur ma liste, qui était trop beau. Je peux vous dire que ce manteau il ira parfaitement avec mes baskets, c'est trop trop beau. J'ai eu de la décoration, de la vaisselle, j'ai eu beaucoup de vêtements, j'avoue, j'ai eu du parfum. Voilà, vous savez un petit peu tout. En attendant, moi je vais aller me démaquiller, il est 3h du matin et je vais faire le montage de ce vlog. Oui, à 3h du matin, vous avez bien entendu, je vais faire le montage de ce dernier vlog. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je suis dans ma famille, je vous clôture les vlogs ici dans la salle de bain. C'est maintenant que va se terminer ce dernier vlogmas. Encore une fois, un grand merci à vous tous qui m'avez suivi pendant tout ce mois. Je suis vraiment trop heureuse. Et à partir de du coup la semaine prochaine, je reprends mon rythme classique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pause ou de coupure ou quoi que ce soit. À partir du coup de la semaine prochaine, il y aura une vidéo par semaine comme avant, c'est-à-dire le vendredi à 18h. Donc si je ne me trompe pas, la prochaine vidéo, ça sera le vendredi 30 à 18h sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous, passez encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches, faites-vous kiffer, mangez bien, le plus important c'est d'être en bonne santé et on s'en rend pas assez souvent compte. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et à la semaine prochaine, 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous !